c'est pas un club de famille, mais enfin il faut quand même avoir des parrains qui font déjà partie du club depuis un certain nombre d'années. Et bon, c'est certain que c'est un club un petit peu fermé, où on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit d'avoir d'ordinateur, de papier, de quoi que ce soit. C'est uniquement pour se détendre. Et c'est très très agréable dans un cadre tel que celui-là. Ah mais ça ne roule jamais. Enfin, on voudrait bien que ça roule, mais ça ne roule jamais. Je veux dire, tous les soirs, c'est un nouveau spectacle, enfin deux nouveaux spectacles, donc n'importe quoi peut se passer, et tant que le rideau n'est pas refermé sur la représentation, quelque chose peut arriver. Donc c'est vraiment, on travaille sur un matériau vivant, d'abord une compagnie importante de 70 personnes, donc il y a tous les problèmes inhérents à la vie d'une compagnie de danse, les problèmes que peuvent avoir les danseurs, d'accidents, de maladies, de choses comme ça. Donc ça n'est pas parce qu'un spectacle dure depuis un an, deux ans ou cinq ans que les choses sont plus simples pour autant. C'est magique, c'est agréable de voir autant de couleurs, autant de costumes, autant de scènes. Bonsoir. Please. Comment on y est? Je crois que je vais me dire que je vais. Nous sommes arrivés au 78, avenue des Champs-Élysées, là où le Lido a débuté en 1946. Et on va aller visiter un endroit un peu plus spécial de cet immeuble. Alors là, en fait, on est dans une des cours de l'immeuble, toujours du 78. Et puis, là, les fenêtres que vous voyez, c'est des studios dans lesquels habitaient quasiment toutes les danseuses à l'époque. Donc quand le Lido était encore au 78, ça a créé toute une vie assez joyeuse dans l'immeuble, d'avoir comme ça des dizaines de bluebells qui vivaient souvent des vies un petit peu tumultueuses, ou en tout cas assez gaies dans l'immeuble. Alors ça fait... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des beaux souvenirs de cette époque-là. Aller dîner au Lido pour la première fois, je devais avoir 4 ou 5 ans et voir le spectacle. Et puis avant ça, sûrement aussi, j'allais voir mon père la journée. J'y suis toujours allé assez régulièrement, finalement, mais jamais du côté, jamais derrière le rideau. La première fois que j'ai dû aller derrière le rideau, c'était quand j'y travaillais. Donc j'avais 19 ans et en fait, j'ai jamais été avant ça. Parce que chez nous, c'est une règle assez stricte. Personne n'a le droit d'aller, personne qui n'est pas concerné directement, n'a le droit d'aller dans les coulisses. Donc, puis en plus, moi j'étais assez impressionné par tout ça. Et,
Et donc je n'abusais pas de l'éventuelle autorisation que j'aurais pu avoir à l'époque. Et donc j'ai attendu mon tour, comme tout le monde, pour aller la première fois dans les coulisses, avoir quelque chose à y faire. Donc, mais c'était un moment, et ça l'est toujours d'ailleurs, parce qu'on a, on a toujours cette espèce de sentiment d'intimité comme ça qui règne derrière le rideau, c'est un autre endroit. C'est promis. Non, non. Voilà, parce que vous êtes gentil. Le travail de conception, au départ, c'est un travail d'écriture. Donc, il faut trouver un concept, il faut trouver des idées de tableau, et puis ensuite, bien sûr, savoir pour quel médium on travaille. Donc, en ce qui concerne le Lido, il faut très très vite rentrer dans le concept artistique un tas de contraintes technologiques, mais qui sont en même temps des gages de liberté merveilleuses pour un créateur, parce que le Lido propose une telle technologie, une telle machinerie, que en fait un créateur peut rêver de tout et être quasiment sûr qu'il verra son rêve se réaliser. C'est ce qui t'a inspiré la collection pour... italienne, le tableau Uccello. C'est ce qui t'a inspiré pour le dragon de... Mais tout à fait. C'est magique. Mais regarde, c'est le même principe. Là, c'est Saint-Georges qui terrasse le dragon. On a aussi le personnage qui terrasse le dragon. Et en fait, tu vois toute la caractéristique des ailes découpées. Tout est là, bien sûr, l'aspect maléfique de la gueule du dragon, de la langue qui sort et tout. Je veux dire, le dragon vient du Moyen-Âge, on le retrouve chez Uccello, on le retrouve au Lido, on le retrouve dans les dessins animés de Walt Disney. Enfin, c'est la symbolique de l'animalité, en fait, qui est importante. Là, ensuite, qu'elle soit utilisée d'une manière ou d'une autre, importe peu. Non, mais c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir faire la nouvelle revue. Quoi. J'ai jamais fait de nouveau montage. C'est vrai que ça doit être très prenant et très fatigant. Le montage des décors, les nouvelles chorégraphies, tout ça, ça prend des heures. C'est toute la journée, c'est le soir, ça doit être un travail monstre. Et ça, bon, je ne l'ai jamais fait, donc c'est vrai que ça doit être super intéressant. Et puis c'est nouveau, oui, parce que... Enfin, moi, c'est vrai que... d'avoir des costumes qui valent une fortune et puis des trucs énormes, bon, et c'est impressionnant. Tu veux le mettre devant la glace? Tu veux le regarder à la lumière? Oui. Oui. Attends, je te l'amène. Allumer le projecteur. Tu as quelque chose dans l'atelier là? Ah ben il y a la cape. Si tu veux voir la cape. Ah oui, ça va être superbe ça. La couleur est splendide. Hein? Ouais. Splendide, splendide. Et c'est très différent les costumes de musicaux, très. Ça, c'est oui, sûr. C'est une technique. Ah oui, absolument. Puis qu'elle bouge, qu'elle danse, pas que ce soit trop fragile, ça dure longtemps, il y a 2 spectacles par jour. Ça n'a rien à voir avec le théâtre quand même. Mais il n'y a pas de jour d'arrêt. Oui. Et puis, le théâtre n'est jamais pour plusieurs années que tu fais ça.
Pierre, tu as vu, c'est le maillot qui va sous la cape. D'accord. C'est le maillot qui va... C'est parfait. Voilà. Regarde. Ah oui, non, ça va être très, très, très joli. C'est joli, hein, avec dans les tous couleurs. Les petites, et là, t'as les franges. C'est tout à fait ce que je voulais. On est dans l'univers de Trapèze, là, des films des années 50. C'est parfait. Voilà. Bien fait, bien glacé. Tous les habitués du Fouquet's qui viennent régulièrement ont leur ronde serviette en argent. Et chaque fois qu'ils téléphonent, qu'ils réservent une table, on leur réserve leur table et on leur met leur ronde serviette, comme à la maison. Mais j'espère quand même qu'il restera toujours sur les Champs-Élysées des maisons, on va dire, un peu comme le Fouquet's ou comme le Lido ou comme des cafés ou comme le club, le Travers qu'on a vu tout à l'heure, des maisons qui sont un peu qui ont une légitimité, qui étaient sur les Champs-Élysées il y a 50 ans, 100 ans, et qui ont où on retrouve toujours les mêmes clients, et que les Champs-Élysées ne deviennent pas uniquement une grande vitrine internationale où il n'y aurait que des touristes, y compris des touristes français d'ailleurs, mais j'espère que les Champs-Élysées resteront aussi un lieu de vie quand même pour les Parisiens du quartier. Moi, en étant parisienne, en sachant qu'on est sur la plus, que je travaille sur la plus belle avenue du monde, entre guillemets, j'ai une chance incroyable, quoi. Donc j'en profite. Et puis, quand je dis je travaille sur les Champs-Élysées, ça le fait. Quoi. L'arrivée du Tour de France chez les hommes, eux, sur les Champs-Élysées, les filles, ça se fait de l'autre côté, c'est-à-dire avenue Foch. Le problème unique, c'est qu'avenue Foch, au mois d'août, il n'y a personne. Nous aussi, on aimerait avoir les Champs-Élysées. Je pense qu'il ne suffit de pas grand-chose pour le faire, quoi. Ah non, je ne rentre pas par là. Là, j'aimerais beaucoup, mais là, c'est l'entrée des clients. Moi, je rentre par l'entrée des artistes qui est derrière. Ah ah, grande surprise. Si on fait deux fois dans le miroir, on se voit deux fois plus petite. Comme ça, je vois comment les gens me voient qui sont plus loin de la salle. Oui, mais on se ressemble plus ou moins sur scène. Enfin, on est quand même uniforme, on est homogène, quoi. Mais bon, quand tu regardes de près, tu vois quand même que chacun a son petit truc. Pourquoi t'as mis plus de blanc que moi? Ce soir, on prend qui se fait.
Oh non, mais personne n'est stressé. Bah, une fois qu'on est dans son travail, on sait ce qu'on a à faire, donc il n'y a pas à être stressé. Hein. Paris, c'est les Champs-Élysées. Paris, c'est la rue de la paix. Paris, c'est Saint-Honoré. Paris, c'est Cartier. Paris, c'est le Lido Gabaret. C'est chouette, c'est chic. Paris, c'est, n'est-ce pas, c'est vrai, c'est magique. Paris, c'est le Tour Eiffel, Sacré-Cœur, Saint-Chapelle et la Rue de Brindy. Don't forget les Tuileries, les parfums de Guerlain, les sculptures de Rodin, Place Pigalle, les Halles et le Louvre, Waterloo. Et les mademoiselles, c'est une sensationnelle, attirante, séduisante, à la mode dans le monde. Et bien sûr, naturellement, les plus belles. Magique!